Le peuple américain a besoin de champions. Pour lui rappeler de quoi il est capable. Jesse, tu es le meilleur. Tu es l'homme le plus rapide de la planète. À qui ai-je l'honneur ? Je suis Jesse Owens. T'as un talent naturel. Je me méfie des gens très doués. Je vois que tu peux courir. Et ma foi, tu peux sauter. Mais dis-moi, peux-tu gagner ? Voyons ce qu'il sait faire. Go ! Y a un problème, coach ? Non. Vous voulez que je recommence ? Ouais. Jesse Owens vient établir un nouveau record du monde. Veux-tu gagner une médaille d'or ? Bien sûr. Et tu l'as gagné à Berlin ? Monsieur Owens, comment pouvez-vous prendre part aux Jeux de Berlin alors qu'il y a tant de discrimination dans notre pays ? Wow. Où est-ce que vous allez comme ça ? On s'en va dans la douche. Pas avant qu'on ait fini. Jesse, voilà une occasion unique de frapper fort. Nous devons boycotter les Jeux Olympiques sous le régime d'Hitler pour démontrer notre solidarité avec les peuples opprimés d'Allemagne. Allez, tu as la chance de marquer l'histoire et tu vas la laisser passer. Les gens s'attendent à ce que je donne l'exemple. Je me fous de tout ça. Vous êtes blanc, Larry. Vous pouvez vous en foutre. Les gens comptent sur toi. Pourquoi ? Tu dois aller à Berlin et battre les nazis. Tu es né pour courir. Ne les écoute pas. Sur la piste, il n'y a ni noir ni blanc. Il n'y a que les rapides et les lents. Il n'y a rien d'autre qui compte. Ni la couleur, ni l'argent, ni même la haine. Pendant ces 10 secondes, on est complètement libre. Ça, c'est pour épater la galerie.